Bonjour, je vais vous présenter la solution du casse-tête qui s'appelle le Castbox. Ce casse-tête est constitué d'un anneau et de la boîte. En fait, c'est plutôt un cube. Ce cube comporte des encoches que je vous montre, là et là, dans lesquelles nous allons faire passer l'anneau. Vous voyez, l'anneau, il est fait de telle façon qu'il y a un petit piton qui passe dans les encoches. Voilà. Donc, le but est de séparer l'anneau de la boîte ou de l'anneau du cube. Donc, de faire sortir cet anneau du cube. Donc, première étape, nous allons faire passer l'anneau à travers les encoches de telle façon qu'il fasse 3/4 de tour vers la gauche. Voilà, première encoche. Il passe par l'encoche de derrière. Voilà, deuxième. Et, vous voyez ici, troisième. Encoche. Donc il a fait 3/4 de tour vers la gauche. Puis nous allons le faire passer par le haut ici, vous voyez, dans l'encoche. Ensuite nous allons faire tourner l'anneau de 2/4 de tour vers la droite. 1, 2. Nous arrivons sur cette face. Nous allons ensuite faire passer l'anneau par le bas. Je tourne l'anneau de telle façon qu'il passe par le bas. Voilà. Et pour terminer, nous allons encore tourner l'anneau et le faire passer dans l'encoche du haut. Comme ceci. Ainsi, nous avons séparé l'anneau du cube, le casse-tête réalisé. Vous voyez, on a fait passer l'anneau en faisant sortir par cette face. Voilà, le casse-tête donc résolu. Pour reconstituer le casse-tête, il faut repérer la position ici. Donc vous regardez un petit peu, je vous montre un peu de chacune des faces, vous voyez, start. Et il s'agit de prendre en cette position. Donc nous allons commencer par faire passer l'anneau en haut, ici. Puis nous allons le tourner et le faire passer en bas. Comme ceci. Ensuite, nous allons tourner de 2/4 de tour à gauche, 1, 2, puis nous allons faire passer par le haut, vous voyez là. Ensuite, nous allons faire passer en faisant 3/4 de tour à droite, là, 1, 2, et pour terminer, 3. Nous avons remis ainsi le casse-tête en la position initiale.